Que cette bénédiction s'étende aussi sur les artistes, les membres du personnel, les techniciens, les directeurs et tous les professionnels de la grande famille du cirque. Antwort vo Ivan Sorbokuj, Ajme Mishiva Vidiana Savitinitz, Amen. Wa ila dahri dahiri. Depuis 2002, une célébration écuménique a pour cadre le Festival du Cirque à Monte-Carlo et nous venons d'en voir donc quelques images. Et si nous sommes reçus ici à Tourrette-les-Vins par son maire élu en 1983, c'est parce que le docteur Alain Frère se préoccupe de la réussite de ce temps de prière auquel il participe finalement et nous le remercions de sa participation à cette série d'émissions que nous allons avoir ici directement chez vous et qui nous permettra de mieux vous connaître, d'apprécier votre grande érudition et votre passion pour le cirque. Et nous découvrirons les richesses absolument incroyables que vous avez donc collectionnées ici. Alors, cher ami, une première question personnelle. D'où vous est venue cette passion et vos premiers souvenirs du cirque? Parce qu'on dit, oh, le docteur Alain Frère, il respire le cirque. Il respire et il transpire le cirque. Oui. C'est tellement simple. Un enfant de 4 ans que j'étais en Saône-et-Loire, maman était pharmacienne des mines, j'ai eu la passion du cirque à 4 ans. Lorsque maman et ma grand-mère m'offraient des soldats de plomb, je les transformais en artistes de cirque. Et dans le jardin, aux grandes dames du jardinier, je mettais un poteau, un trapèze, je faisais du trapèze, et puis je cimentais les poteaux, et le pauvre jardinier n'arrivait plus à enlever les poteaux. Donc j'avais déjà cette passion. Lorsqu'un cirque passait dans le village, maman savait que j'étais au cirque et pas à l'école. Bon, c'est ça une passion. Maman était pharmacienne des mines, mais elle avait eu la passion du théâtre. Et je pense qu'elle m'a transmis la passion du spectacle. Je pense l'expliquer comme ça, un médecin peut l'expliquer. Mais c'est une passion très jeune et qui m'a toujours, toujours suivi. Bon, je n'étais pas un enfant de Babal, j'étais simplement un enfant qui aimait le cirque. Et après, un adolescent qui est arrivé à Nice, au lycée Masséna, qui s'appelait Félix Faure à l'époque, extraordinaire, parce qu'il y avait la foire, en décembre, on entendait la réclame, et un cirque, le cirque Amar, se mettait en 1947 devant le lycée. Imaginez-vous, on attendait la sortie, j'attendais la sortie avec impatience pour aller voir le cirque, les ménageries, qui existaient encore, et puis les petits cirques, voilà. Quelle chose extraordinaire. C'était déjà la passion naissante qui commençait. Alors, depuis, vous êtes connu dans le monde entier, puisque vous parcourez tous les cirques que vous connaissez, tous vos amis, pour rechercher des nouveautés dans la perspective donc d'une sélection pour le festival du cirque de Monaco, alors, dont vous êtes d'ailleurs le conseiller artistique. Alors, cette manifestation, elle est pour vous aussi l'occasion, et je crois que c'est assez unique, de réunir tous ces amis du cirque, ces spécialistes, ces professionnels, au cours d'une conférence de presse. Bien sûr, mais il y a une histoire. Si j'en suis arrivé là, c'est à cause d'un prince. Le prince charmant du cirque, le prince Régnier, qui avait la même passion. C'est une passion que nous avions en commun, mais on ne le savait pas. Je le savais un peu quand même, parce que le prince Régnier, et j'avais été surpris de voir le prince Régnier assister à un spectacle à Nice, de cirque. Alors que j'étais adolescent, je dis, tiens, il a la passion du cirque. Et puis, progressivement, je l'ai suivi. Et puis, j'étais interne à l'hôpital de Monaco. J'étais l'interne de Joseph Pastor. Et là, Joseph Pastor a bien vu que j'aimais le cirque, que j'avais la passion du cirque. Et lorsque le prince Régnier, à travers le maire de Monaco, Jean-Louis Médecin, a voulu faire une manifestation pour le cirque, pour honorer le cirque, pour son jubilé. Oui, les 25 ans, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, il dit, mais attends, mais Altesse, Monseigneur, mais je connais mon ancien interne, le docteur Frère, qui est maintenant installé à Tourette, et il est passionné de cirque, il va vous aider. Et j'ai rencontré Jean-Louis Médecin, et il m'a demandé de réfléchir, et j'ai réfléchi pour avoir
pour imaginer une grande manifestation du cirque. On a imaginé le Festival du cirque de Monte-Carlo. Voilà comment ça s'est fait. Ça s'est passé en 1973. Et puis, il nous fallait, pour réussir, un chapiteau. Oui. Et je crois que personne ne voulait prêter. Personne ne voulait. Et moi, j'étais le médecin de la famille Bouglione. Et c'était vraiment des amis. Et M. Joseph Bouglione, le patriarche, était mon ami. Je lui ai dit, écoutez, M. Joseph, on est très embarrassé. Le prince Régnier veut faire un festival. On ne va pas le laisser tomber. Docteur, moi, je suis d'accord. J'y vais. Et je l'ai mis en relation avec Jean-Louis Médecin. Et le festival s'est fait. Et c'est fait magnifiquement à travers une famille de cirque, la famille Bouglione, qui sont, vous le savez, qui sont très croyants, qui ont une foi intense. Ils avaient la foi dans le cirque et la foi dans le Seigneur. Eh bien, ils avaient la foi aussi dans le prince Régnier de Monaco. Retrouvons Monaco, où nous allons vous voir au cours de l'une des célébrations écuméniques rendre hommage au prince Régnier III, décédé en 2005. Le cirque, mot magique qui fait sursauter de joie les enfants et sourire les adultes, soulignait le prince. Le cirque, c'est aussi autre chose d'aussi important. Une expression culturelle très ancienne. Une école de volonté et de courage, un art complet et difficile, un monde à part, fait de lutte et de générosité. Dans ce rond de lumière enchanté, personne ne peut tricher. Mais en dehors de ce cercle magique, des hommes et des femmes sont liés par l'amour de leur métier. Pour eux, le monde extérieur s'estompe, et le temps s'arrête. C'est l'instant de vérité. Cher ami, il faut signaler peut-être que le décès de la princesse Grace en 83 et la guerre du Golfe en 91 avaient annulé ces manifestations. Alors, c'est une histoire aussi. Tout le monde peut comprendre que le décès de la princesse Grace, qui a tellement touché son Altesse, j'ai une lettre tellement émouvante qui raconte ce qu'il pensait de cette épouse admirable. Et il avait été excessivement touché. Il faut bien comprendre que c'était tout à fait normal de ne pas faire le festival. Mais l'histoire du golf, c'est une histoire aussi entre le prince et moi-même. Le prince me questionne en novembre sur l'éventualité de la guerre et ce que j'en pensais. Et je réponds au prince, j'ai dit, vous savez, Altesse, Monseigneur, surtout, je pense qu'il ne faut pas faire le Festival du Cirque, parce que ce serait dramatique si nous avions le Festival du Cirque, la réjouissance et le drame de la guerre. Et le prince m'écoute, dit, docteur, on ne fait pas le festival. Heureusement, parce que nous aurions commencé le début du festival avec le premier jour de la guerre du Golfe. Alors vous nous recevez, cher ami, dans un cadre absolument enchanteur. Comment vous êtes venu cette idée d'abord de collectionner et puis ensuite de créer ce musée? Et un grand merci parce que vous ne recevez ici que ceux qui sont un peu fous du cirque. Bah, je remercie ceux qui ont la passion. Parce que lorsqu'on ouvre ce sanctuaire, c'est un sanctuaire. Parce qu'ici, on peut faire un musée. Il y a des musées dans le monde, des grands musées en Russie, aux États-Unis. Mais je trouve que moi, j'ai essayé de donner une âme au musée. Et l'âme, ce sont les costumes. Et les costumes ne sont pas des achats, ce sont des dons. L'artiste, le clown d'or de Monaco, ben, vous avez Charlie Rivel, vous avez d'autres clowns d'or, d'Individ Larib, m'ont donné leur costume, ou la famille m'a donné le costume, pour qu'il soit, ben, je veux que mon costume soit à côté de Grock, je veux que mon costume soit à côté de Gare Simonette, je veux que mon costume soit là. Et je respecte les souhaits. Mais c'est le gène.
Les costumes, c'est le gène de l'homme. Ils contiennent, lorsque vous prenez le chapeau du clown, hein, eh bien, vous avez dedans le maquillage. Donc ça, c'est une âme. Pourquoi j'ai fait le musée? Parce que, surtout avant que le prince régné s'intéresse au cirque, les gens du cirque, vous savez, ne s'intéressaient pas grand monde. On s'intéressait au cirque lorsqu'il y avait un drame, lorsqu'il y avait quelqu'un qui est tombé d'un trapèze, qui était attaqué par un lion. Mais depuis le prince régné, il lui a donné ses lettres de noblesse, et moi j'ai essayé de donner de ce sanctuaire que les gens du cirque soient là. On fait revivre le cirque avec bien sûr des documents. L'affiche de la première du trapèze volant en 1859 au cirque Napoléon, au jour des Bouclionnes. L'affiche, par exemple, des saltimbanques du 19e siècle. Et puis l'affiche, j'ai l'affiche où la première fois, Charlie Chaplin, à l'âge de 14 ans, est monté sur une scène. Tu te rends compte? Vous vous rendez compte, hein? Le jeune inconnu, le plus petit, c'était Charlie Chaplin. Voilà. Donc, il y a quand même une belle histoire. Et Buster Keaton qui vient à Medrano, ça, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout, je pense que c'est... Ils se parlent. Ils sont tous maintenant là-haut. Et puis, ils sont réunis ici. Voilà. Et ils sont réunis là-haut, ils sont réunis dans un musée. Bon, c'est peut-être un peu fou. Ça peut paraître à nos téléspectateurs un peu bizarre, mais non. Non. Si on a une passion, on l'a jusqu'au bout. Merci, docteur Alain Frère, pour cette première rencontre qui nous a permis de découvrir les merveilles d'un patrimoine exceptionnel et de vous livrer à des approches spirituelles de la dimension artistique des spectacles du cirque et des célébrations œcuméniques. Une question pour terminer, quel est votre plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, c'est peut-être, quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le souvenir du prince régné, qui a quand même fait ce festival, qui a eu la volonté de faire le festival et qui a rendu honneur au cirque. C'est la première fois qu'un prince souverain, qu'un chef d'État rend hommage au cirque. Et le souvenir que j'ai, le plus beau, c'est celui de la famille princière qui a passé le nouvel an 1974, au cirque, avec la famille Bouglione, avec les artistes. Ça, c'est quel beau partage, un prince qui partage, à travers sa passion, avec les artistes, qui fête le nouvel an avec les gens du cirque. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est la plus belle image que j'ai, et c'est une image qui restera gravée dans ma mémoire. J'en ai d'autres, bien sûr. Mais celle-là, c'est quand même la façon de partage d'une passion. Nous sommes, nous, des amateurs passionnés. Les gens du cirque, c'est autre chose. Ils ont vivent dans le cirque. Mais c'est la façon de leur rendre hommage. Et c'est une façon de sincérité et de simplicité. C'était ça aussi, le prince régné. C'était un grand seigneur, mais qui savait se mettre à la portée des autres, à la portée des artistes. C'est pour ça que cet homme, c'était un homme d'exception. Et c'était un homme de conviction, c'était un homme de foi, de grande foi. Et merci, Monseigneur, pour ce que vous avez donné, ce que vous avez fait pour les gens de cirque. Thank you.